super envie d'aller à petit marché à chaleur pour comprendre que business est super vision pour le faire des bons lieux de l'île jour vie pour le faire des moyens de tabasse de l'île sous nous m'en circuler pour cette même fois bien fait nous m'en compte à haut superviser aussi l'équipe de la famille bien dans l'île la famille qui Dakar nous l'aime des chaînes à 2000 personnes qui région aussi à 1000 personnes nous l'aime mobiliser pour accompagner le déploiement de l'île. Donc aussi l'équipement, madame camion, tenta saisie, utiliser camion assez ouvert. De toute façon, comme d'une fois, vous n'avez que la voie à venir sur la ligne. Il est bon de vous mener une règle dans le problème de la ligne et d'être management de l'esprit sur les champs. Bon, sur cette mot, en temps normal, il y a un mot de charge de bosse actuellement, on parle de 4200 à 4400 tonnes par jour. Mais ça, c'est parce qu'il y a un peu de 50%. Madame, le ministre de la même, on a un peu 6000 tonnes Félix. Donc, nous avons dit que 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 donc, mairie, c'est vrai que nous avons une autorisation pour faire, mais nous avons une autorisation pour faire. Là, nous avons une autorisation. Nous avons une autorisation pour faire. Nous avons une autorisation utile pour nous démontrer. Nous avons une autorisation pour faire. Jafé nak biñuy am moy dara li nga xamné dafa continuer dem tam xet motax ñooñu aussi ma ngi leen di lancer appel xamal leen ni ñun UCG développer na lu ben service du collectif privé bo xamné mën na leen affecter sax ay agent yo xamné dañ leen sétal sen daral mais sétal aussi alentour ndax ñom mën nañu amel ak quartier yi nga xamné fa lañu installer bu féké top taw ñu balé ni mu waré de l'exibir ñu ci canigo yi mën na indi problème de inondation donc lolu aussi c'est un acte citoyen bo xamné ñi ngi leen ci woon di daal ñu mëna taral dox baña yaq dox waaw lolu taxaw sa lu la bo xamni def na gis nañ ni legui dañuy gis ni ñu jëw kërëp jël balitam ci ko ci mus dox 200 mètres wala 300 mètres dem ci benn fond du fond normaliste dugul loolu mom solo la parce que d'abord dafa jangal xalé relation bi nga xamni mom lañu wara am ak balit et aussi dafa xam ni nit ñi utilité sociale bi nga xamni mom le point du fond normalisé yi di da bu fekke balit bi ñu ko dugul ci koor dugul dina wañi febar motax ma doon lan wax sax ci na sanan ni utilité sociale bi nek ci balit xéna ñun ñu koy tambali mos mais xamagu ñu ndax nit mën nga gënou ci raw courant gënou ci raw lepp ci mais mënon tepp sey fan donc lool yépp da fay woné lu bess lo xamni mu ngi germer ci Sénégal ndax ëlëk ci biir inshallah PRN yoyu dañ koy utiliser pour def lu tubaab di wax tri sélect ndax bo togué ci service sa balit boko ségué rek mom fa né bo jëlé plastique bi tek ko ni tek ñam man bi tek ko ni lool yépp mën nga ko jël motax ëlëk ci biir PRN yoyu dina nekk le premier niveau de tri bu am à partir des ménages ba nga xamni à partir des PRN mën nañu jël balit bi ci am solo ñu envoyer ko ci ay filière de valorisation ba tax na li nga xamni moy dem en décharge day nek li nga xamni am ndir am valeur économique lolu moy ci parti wax économie circulaire té ñu ci liggéey ak autorité yi ci ndigalu président de la république ak suñu ministre ci Abdoulaye Seydou Sow li nga xamni moy recteur remercier l'ensemble de la famille du déploiement parce que comme vous savez vous aujourd'hui c'est une zone de fête une bonne partie du personnel du déploiement c'est juste utilisé aujourd'hui et demain pour rendre nos quartiers propres pendant que nous tous nous faisons cette fête de la passion au niveau de nos familles. Donc, il est important pour nous, d'entrée de jeu, de remercier ces personnels et leurs familles. Maintenant, ce qui nous vaut cette rencontre aujourd'hui, c'est juste une tournée de supervision pour nous assurer que l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place au niveau de Dakar, mais aussi au niveau des autres régions, fonctionnent. Donc, nous sommes aujourd'hui au niveau du marché HLM, on est relativement en train de constater. Et les dispositifs qui avaient été prévus sont bien là, que le personnel est bien là, toujours engagé, pour essayer de rendre nos quartiers encore plus importants. Alors, ce serait quoi? En réalité, c'est un dispositif national, donc l'ensemble des coordinations, c'est comme ça qu'on appelle les départements au niveau du CG, ont mis en place un dispositif articulé autour du mobilier urbain, donc les packs de rue qui observent des réceptacles. Des déchets qui sont produits pendant la tabassée, mais aussi le réseau de points publiquement normalisés, les points propres, et même les caisses que nous avons mises à proximité des quartiers et des sites de forte production. Donc tout ce dispositif-là est respecté à travers des mécanismes comme des groupes WhatsApp et aussi un système d'alerte que nous avons aujourd'hui à l'UCG à travers le numéro 202-123, qui permet aux Sénégalais d'appeler sur ce numéro et de signaler tout dysfonctionnement qu'ils auraient constaté relativement à la collecte de déchets. Donc nous sommes bien au marché HLM, mais ce même exercice est en train d'être fait au niveau de l'ensemble de coordination du Sénégal. Alors nous avons mobilisé exactement 1999 agents plus les superviseurs, et 955 agents dans les pôles régionaux et départementaux.
en termes de matériel. Pour le matériel, c'est difficile à quantifier. C'est des centaines de camions. Parce que dans notre activité quotidienne, aujourd'hui, rien que sur Dakar, nous avons à peu près 500 rotations au niveau de la décharge de l'autobus. Donc, c'est un parc de plus de 300 camions. Vu qu'il y en a qui font 2 ou 3 rotations en 24 heures, étant entendu que la décharge est ouverte 24 heures sur 24. Donc, à ce stade, il sera difficile de faire le bilan technique de l'opération. Mais nous avons mobilisé un certain nombre de moyens, des camions, des bennes tasseuses, des camions à ciel ouvert, des pelles mécaniques là où c'est nécessaire pour maîtriser le pic de décharge.